Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode sur Satisfactory, et bienvenue pour la suite. Aujourd'hui on se retrouve alors que je me rends compte que ces pylônes volent pour des raisons qui sont obscures, mais probablement parce qu'il y a eu des modifications dans la map. Et donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite, tout simplement, où nous allons, et bien, je vous le dis en mille, hein, on va tout simplement continuer un petit peu cette putain de route qu'il faut faire, hein, voilà. Même si en soi j'en suis très content parce que pour le moment elle rend très bien, il faut encore y travailler et on n'en est clairement pas rendu. Voilà. Donc ce que nous allons faire, c'est on va retourner un peu plus loin, repartir du bout qu'on avait fait là-bas, puis ensuite on refait tout ce coin-là et après on va voir ce qu'on va faire dans la seconde partie de l'épisode. Très probablement on va tout simplement mettre les blocs. Voilà, donc alors peut-être qu'on va pas mettre énormément de blocs sur le début, peut-être qu'on va en mettre un petit peu moins parce qu'il n'y a pas la nécessité d'en mettre énormément, surtout sur ce passage-là. C'est surtout sur l'autre passage que ça va avoir la nécessité d'en avoir une grosse quantité. On va voir ça, on va voir en fonction de combien de trains on va mettre en marche sur les prochains épisodes. On va voir ça. Après, ça se trouve, on va tous les faire et comme ça, au moins, on est tranquille pendant un bon moment. Voilà, c'est ça qui est bon. Tac, donc nous sommes repartis, hop là. Vous savez comment ça fonctionne, je vous dis, hein, c'est pas forcément les épisodes les plus pertinents, mais d'une certaine manière, ça contribue à notre base. Hop là. Hop là. Hop. Hop. Ensuite. Voilà. On va y arriver. Ça va être assez rapide. Surtout qu'on a déjà fait en fait une grosse partie du chemin. Donc ouais, je pense qu'on va faire les blocs. On va faire les blocs juste après. Ça va prendre du temps. Mais on ne s'inquiète pas, loin de là. Bien. Voilà, 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 voilà. Et il n'y a plus de catharium. Pourquoi il n'y a plus de catharium? C'est scandaleux. On peut peut-être pas abuser non plus. Hop là. Bon, ce n'est pas si grave dans l'absolu. Hein. Je pense que des contrôleurs d'IA, du fil actif et tout, on en a suffisamment pour le moment. Mais quand même. Au secours. Ah, c'est bon. Juste que ça me paraissait un peu grand, mais non, c'est normal. Alors. Tac, tac. Voilà. Tac, tac, tac. On va voir ça. On va voir si on peut pas lancer directement la première ligne de Caterium. Avec en utilisant quelques blocs, et plus on va mettre de blocs, plus ça va se fluidifier. On va voir ça. Voilà. Attendant, c'est cool. Voilà. On arrive sur la fin. Très bien ainsi. Alors, c'est le moment où il faut le mettre bien droit dans le milieu. Ça, on va le dégager. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, parfait. Ok, c'est good.
Donc là, nous avons notre rail. Notre rail qui est parfaitement fonctionnel. On peut même y mettre un train au final. Hein. On va même le mettre. Hop là. Hop là, notre premier train de la liste. Voilà. Ça nous permettra de nous déplacer un peu plus rapidement. Alors. Ceci étant, on y va là. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est en mode, on peut voir à travers maintenant, ce sont les reflets des différents végétaux. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir, puisque habituellement on est dans les cieux. Mais évidemment, pas forcément le plus facile. Alors. Donc, pour faire... alors, oh putain, j'ai l'inventaire, il est rempli de bordel, c'est une catastrophe. Signal de bloc, je n'ai pas besoin de... Non, j'ai pas besoin de poutres plus que ça, j'ai besoin de tuyaux. Donc ok, on va pouvoir virer toutes les poutres en acier et les mettre dans le... Dans le compartiment adapté. En plus, c'est cool parce que au final, j'ai l'impression que ça... J'ai moins l'impression, j'ai moins la sensation que c'est loin. C'est con, hein, mais j'ai moins l'impression que l'acier soit loin. Ça me dérange moins de faire des allers-retours vu qu'on a fait une route dessus. Non, c'est dans ces coffres-là. Dans ces conteneurs, voilà. On va reprendre un tuyau. Ensuite, c'est tôle et circuit imprimé. Alors, les tôles, elles sont là. Le circuit imprimé, j'aurais pu les choper. Autre part, mais bon, ce n'est pas grave. Ça arrive. 1, 2. Ouais, allez, on va mettre 3 stacks. Voilà, déjà, on va être pas mal. Voyons voir. Alors. Donc. Les circuits imprimés sont derrière, ils sont derrière. Ça fait... Secours. Voilà. Hop, ça fait suffisamment de circuits imprimés. Bon. Commençons à faire ces blocs-là, hein, quitte à en poser partout, autant les faire aussi de ce côté-là. Alors, que je me foire pas, donc ça va par là et ça revient dans ce sens-là. Ok. Alors, ça va faire je bling tout le temps. Ok, ça va faire bling... Va faire bunk à chaque fois. Ok, donc là, voilà. Là. 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 J'ai l'impression qu'ils ont simplifié le fait que... Ça marche plus facilement. Peut-être moins, hein. J'ai l'impression. Voilà. Bien. Voilà. Voilà, 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 je m'en fous. Voilà, moi, ce que je veux, c'est ici. Voilà. Ah, je vous dis, hein, ça va être ça sur toute la longueur.
Bien. Ça l'arrête. Est-ce que si je mets ça... Voilà, il va un peu plus apprécier. En fait, ça va bégayer, pourquoi? Parce que j'ai pas fermé l'autre le virage, en fait, surtout pour ça. Ouais, c'est pas si dramatique, hein, loin de là, mais... C'est un connard. Voilà. Alors. Allez, on va le choper. Voilà. Ça ching très fort dans les oreilles. Moi, quand ce sera fait, ce sera plus à refaire. Pour tout ce qu'il faut se dire. Mais j'admets que bon, faut être patient. Là, faut voilà. Au plus on en met, au plus ce sera fluide avec le temps. Alors pas pour mon PC, mais pour le jeu. Merde. Chier. Voilà. Vous allez voir, le train il va s'arrêter au bloc... pas ce bloc là, mais au bloc suivant. Vous pouvez en être sûr. Ah, ça en fait des blocs, putain. Voilà. 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 On a fait la moitié du chemin, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Là, là, ok. Donc là, ok. Ensuite ça. Ça. Tout ça, on s'en fout un petit peu pour le moment. Maintenant, on fait dans l'autre sens. C'est chiant. C'est chiant à placer. J'ai rien dit. Ils ont rien corrigé. Hop là. Avance.
Voilà. Au final, j'ai vraiment bien fait de prendre autant de stock parce que... On va avoir bouffé de la... du panneau. Si je le vide en entier, ce n'est pas grave. On fera autre chose juste après. On fignolera ça au prochain épisode. Vous savez, hein, c'est de faire des trucs un peu plus pertinents de temps en temps. Faites cool. En soit peu en tout cas. Voilà. 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 Ça se poursuit, ça se poursuit. Le bordel que ça fait quand même par contre au niveau... Après ça, au moins ça... Ça fournit un peu la route. J'étais un peu vite sans ça. C'est vrai que ça fait un sacré... Sacré bordel. Hein. Voilà. On va y arriver, hein. Ça n'intéresse vraiment pas le retour. On sait faire qu'une boucle dans un seul sens. Et ne pas pouvoir faire dans l'autre. Voilà. On y arrive, on y arrive. À savoir que, évidemment... Oui, donc oui, on a fait déjà cette partie-là, oui, ça veut dire que... Ok, ok, ok. Moi, je peux en faire encore une petite centaine, mais pas beaucoup plus. Savoir qu'on aura posé environ 500 signaux de blocs en un épisode. Ce qui est déjà pas mal, hein, faut s'admettre. Je suis assez content. Allez, là. En fait, ce que je veux, c'est fluidifier pour le moment sur la partie commune. Alors, on va faire... ça comme ça pour le moment et je vais juste faire une petite modif de ce côté là. Voilà, je vais en faire 50 encore. Bon, on va voir ça, on va voir ça, mais ce que je veux là, c'est au moins ça. Voilà, là lui il est libre comme ça normalement. Voilà, c'est ça, il est libre. Et c'est très bien. Ah, c'est quand même... j'avoue que c'est assez vénère, hein, cette quantité de blocs. Alors, sachant que j'avais donné une affirmation qui est un peu inexacte, je disais que un train, ça fait deux blocs. Non, c'est chaque morceau de train fait deux blocs. Pas exactement la même chose. C'est-à-dire que un train va prendre deux compartiments. Ce qui n'est pas grave dans l'absolu, hein, bien loin de là. Ça ne change rien en l'intérêt que ça porte au niveau de la fluidité. Non, allez. Voilà, merci. Beaucoup mieux. Voilà, là on va en mettre encore un petit peu. Il me reste 42. Circuit.
Faudrait même mettre une deuxième ligne de pétrole. Hein. Mais par contre, remettre une deuxième ligne de pétrole, c'est plus compliqué qu'une simple ligne de caterium, vu qu'il faut conditionner et déconditionner. Mais ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Bon, en attendant, on a fait quand même 80% de la ligne au niveau des blocs de signal. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au train. Au, du moins, à ce train-là. Qui va nous faire notre caterium. Donc, savoir que ça voudra juste, ça veut juste dire une chose. Alors, on va faire une petite modif. À peu près par là, hein, à peu près. Ah, c'est un peu décalé. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va faire ça comme ça. Ah oui, il faut évidemment... Non. Voilà. J'ai pas de poutre en acier, merde. Scheisse. En gros, ce que je veux, c'est qu'il puisse faire demi-tour facilement et pas qu'il fasse le tour jusqu'à l'autre bout. Parce que ça va être ça le problème sinon, c'est qu'il va faire le tour jusqu'au pétrole pour refaire demi-tour. Donc là, ça permettra qu'il fasse demi-tour juste devant la ligne. Ce qui est franchement pas plus mal. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Voilà. Hop! Tout ça encore à dégager, hein, mais bon, ça, c'est... ça, ce sera... Dégagé avec le temps. Cette machine-là qui ne se sera jamais arrêtée en 67 vidéos et en 134 heures de Satisfactory. Alors, ce que je voulais. Il y a des circuits imprimés, c'est intéressant à savoir, ça m'évitera d'aller en piocher là-bas. Je vais très vider les stocks. Oui, donc un peu de poutre en béton. Alors, poutre, enfin, poutre en acier. Je vais y arriver. Ensuite, je voudrais un autre spot pour train. Tac, tac, tac. Il faudrait cadre modulaire lourd. Je sais que j'en ai. Voilà, j'en ai là. C'est très bien. Alors, voilà. Maintenant, c'est là où ça va venir. Ah, c'est intéressant. Tous ces pylônes partout. Au moins, ça simplifie la chose. Déjà ça. Et je suis content, maintenant on sait comment ça fonctionne. Parce qu'il faut savoir, avant, je n'avais strictement aucune idée de comment réussir à faire fonctionner les blocs de signal il y a encore 20-30 épisodes de cela. J'exagère peut-être un peu, mais vous m'avez compris. Ça fera un bloc de 3. Voilà, c'est pas grave. C'est loin d'être grave. Avoir un bloc de 3. Surtout quand t'as des intersections comme ça. Voilà. Donc lui là-bas, il va pouvoir éviter de paniquer. Maintenant. On va faire un train. Non, merde. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. C'est histoire d'y aller un peu plus vite. Voilà, allez. On décolle. Ah oui, ça va faire beaucoup de bing bing bing. Hein. Ouais, objectivement, c'est peut-être pas le truc le plus agréable. Voilà, lui il continue.
Allez. Même un bruit à la con. Hein. Non. Ce qui n'est pas grave dans l'absolu. Hein. Ok. Alors, on va ralentir un peu. Allez. Ça arrête complètement, c'est ça? Merci. Ok, donc. Maintenant, il va falloir que je remette des nouvelles lignes. Alors. Des nouvelles lignes de train. Je sois bien compris. Donc pour ça déjà on va finir de compléter cette route. Je vais laisser en partie à l'abandon. Voilà, voilà. Maintenant. Alors. Ce demi-tour là, ça va être une réelle problématique qui va venir avec le temps. Donc on va voir. Alors. Ça, voilà. Ça, voilà. Ça, voilà. Voilà. Bon, au moins déjà, on va pouvoir bientôt se poser la question de comment on la gère, justement. Comment on gère le demi-tour. Donc déjà. Voilà. Ok, donc ça c'est good. Donc là, on a toute une plateforme. Là, maintenant, le but c'est que ici, on puisse faire demi-tour de l'autre côté. Vous connaissez la méthode. C'est comme ça, puis on fait ça. Comme ça, puis ensuite on fait. 1, 2. Évidemment, lui, bon, il fait à 3, ce n'est pas grave. Ok. Quoique, ici c'est un peu trop tôt, c'est un peu trop tôt. Attendez, attendez, attendez. On va y arriver. Là, il va bégayer après. Hein. Il faut faire grand chose. D'ailleurs, au final, ça se... Ah, je suis full. Je suis full, très bien. Je suis full. Alors... Alors le problème maintenant, c'est vrai, ça va être vraiment de trouver comment mettre une gare. Donc, en fait, le problème c'est que si j'aligne les gares comme ça, oui, bah tu vas pas décoller plus que ça. Hein. Le train qui pouette pouette, mais non. Hop là, si je mets ça comme ça. Que je fais ça. Ça va? Le problème après c'est qu'il va falloir faire ça. Et donc on va créer une sorte de croisement un peu à la con. Qui m'emmerde un petit peu. Et là, c'est là, c'est vraiment là où va se poser le problème. Je pourrais les mettre de l'autre côté. Ça veut dire que je les fais faire demi-tour d'abord avant de les vider. Puis je les vide là, puis après ils repartent. Ça pourrait se faire. Ah oui, oh oui, attendez. Alors, ça va nécessiter un agrandissement de ce côté-là, au détriment de l'autre côté. Mais c'est peut-être pas plus mal, parce qu'au moins, on n'aura pas de restrictions de... On n'aura pas trop de restrictions au niveau de l'espace. Voilà, je vais y arriver. Putain. Avec mon élocution qui est des fois désastreuse. Alors, donc si on fait ça... Donc là, je me retrouve avec la possibilité... Alors, c'est là où ça va être un peu tendu, ça va être ce virage-là. Mais bon, ça, on va...
va venir. Ça va venir, ça va venir. Ça veut dire qu'il va falloir que je refasse tout le conduit du pétrole. C'est pas dramatique dans l'absolu, mais ça va me faire un peu chier quand même. Alors. Parce que je m'assure qu'on est... Alors, j'aimerais bien savoir où le pétrole vient. Le pétrole, il vient sur cette plate, sur ce sol-là. Attends, quoi? Sur celui-ci? Je teste ma vie. Ça va aller. Ça va aller. C'est en partie pour ça que j'ai foutu ça ici. Même sacré costaud hein, pour se tenir à une main sur une, avec une tyrolienne. C'est, faut être quand même sacrément carré. Après, rien n'empêche de le garder celui-là, mais bon. Ah, quoi que. Il n'empêche qu'il faut que je réfléchisse aux autres gars. Quoi que. Donc. Je vais essayer de me mettre comme ça. Que je mette ça. Ici. Donc voilà. Et donc. Globalement, ce que j'ai fait là. Je vais le cancel. Ça va faire. Hop là. Un peu de bordel sur le début, mais ce n'est pas grave. Tout ça, je vais pouvoir le dégager. Voilà. Hop là, essayons de dégager un maximum d'électrique. Par... Voilà. Ensuite ceci et ceci. Alors. C'est de mettre ça. Donc la sortie elle est là. Maintenant, on va mettre... où est-ce que c'est ? Mettre un pipeline MK2 avec un repère. Je sais pas s'il va apparaître le repère. Non, il n'apparaît pas, dommage. Quand on met alors sans indicateur. Hop là. Ensuite. C'est là où va être toute la petite subtilité. C'est-à-dire que ça, on n'en a plus besoin jusque là. Alors, ah non, c'était à la jonction, donc c'est là, normalement. Voilà. Putain, on est à la jonction, tac, c'est bon. C'est droit. Ok, donc ça... déchargement, voilà, c'est le réserve, c'est... c'est le nouvel emplacement pour ce train-là. Après, c'est... En vrai, c'est vachement proche. Je me rends compte que c'est quand même vachement proche. Si je fais ça là. Je crois que j'éloigne ça d'encore quelques mètres. On va voir ça. Non. Là, peut-être. Non, là, c'est sûr, c'est une garantie, ça ne va pas fonctionner. Ok. Donc, c'est bien ça, ça va être trop proche. Donc, on va éloigner un peu. Encore une fois, malheureusement... pas avoir un petit... J'ai les ressources ou pas? J'ai les ressources. Voilà. Ça m'en serait plus emmerdé. Le temps que je branche tout. Alors. Maintenant, on va juste vérifier. Donc c'est celui-là. Ok. Par contre, moi, je veux... l'électricité un peu plus qu'à 2 mètres du pylône, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va y arriver, hein. C'est... Je m'en doutais qu'ici, il y allait avoir des problèmes. J'aurais pas imaginé ce genre de problème-là comme ça, mais bon, c'était pas grave. Comment faire? Tac, tac, tac. Bon, on va essayer comme ça. Alors. Là, c'est bon. Ici, on devrait être assez loin. Non, oui, je pense clairement. Donc ensuite, on va mettre... Non. Plateforme de déchargement de fluide. Donc après... Non, on va juste les redécaler pour les mettre... Au bout du jour et droit, surtout. Voilà. Donc ça. Là. Ensuite, ça. Là. Très bien. Maintenant. Voilà. Par exemple, ça peut faire ça. Une fois que ça fait ça, tout simplement, on peut repartir dans ce sens-là. On verra après. Est-ce que si je fais ça, genre là, ça va poser des problèmes? Je pense pas. En théorie, ça devrait être pas trop mal. Genre, non, quoique, non, ça va être beaucoup trop brut comme angle. Voilà, si on met ça dans ce sens-là. Non, alors encore un peu plus. On peut s'étirer un peu, hein, c'est pas trop un souci. Ah non, c'est juste peut-être un peu trop... non, c'est ça, c'est juste que c'est un peu trop proche. On va... Hop là. Essayer de voir jusqu'à quel moment... Voilà. Bon. Ça marche très bien. Voilà, j'ai trouvé le bon équilibre. On va éviter de tout dégommer de l'autre côté. Voilà. Tu veux qu'en plus là, il faut rebrancher en dessous. Ah oui, sauf que pour brancher en dessous, il faut que je sache où est-ce que c'est au-dessus. Donc alors. Voilà. Ici. Donc c'est un cran en avant. Par rapport à tech. Tech. Voilà. Genre là c'est pas bon, enfin c'est presque bon. Genre là c'est bon. Voilà. Donc là c'est bon. Maintenant on peut mettre en déchargement. Et on peut mettre ça. Alors dès que le jeu... accepte. L'avantage, c'est que là, on peut mettre ça un peu à l'arrache pour le moment. On va essayer de remettre un bloc quand même, histoire d'éviter qu'il panique. Ok. On va le mettre après, on va le mettre après.
suis en train de réfléchir, mais... En fait, l'avantage, c'est que ça me permettrait... Là, avec ceci... Voilà. Donc ça, c'est good. Alors, lui, eux, ils sont en panique. Pourquoi ? Ok. Ils ont plus l'air d'être en panique. Ah, et peut-être parce qu'il y avait une jonction à la con et que ça... Il a pas aimé. Ok. Là, pour le coup, maintenant, c'est bon. Ce train-là, on peut le remettre. Donc, transport, locomotive. Voilà. Donc ça... Alors, ouvrons le menu du train. Alors, il y a trois stations. Alors, éditer le planning. Donc, tu vas faire ça. Puis ensuite, tu vas faire celle-là. Sauvegarder. Activer. Maintenant, on se casse. Voilà. Lui, il devrait marcher sans trop de problèmes. Voilà. Juste, évidemment... Pour fluidifier un peu le demi-tour. Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Allez! Allez, choupette! Allez! Là, voilà. Histoire que ça ne se bloque pas là, quand on a un hangar. Voilà. Quand il est en gare, il est en gare. Ça ne change strictement rien. Alors, maintenant. Il faut le suivant. Donc, autant dire, je ne suis pas rendu. Alors. Ah, c'est bien là où je suis emmerdé. Alors. Est-ce que si je fais ça ici... Où j'arrive à rebrancher... Ça quelque part, sauf que pour le rebrancher quelque part. Voilà. Faut faire ça comme ça, dans le pire des cas, mais faut donc refaire une boucle derrière. Ouh, ça va être chiant. Ça va être chiant. C'est pas grave. Ça va le faire, mais... Ok. Bon, c'est nécessaire d'y passer. Merde, je suis avancé de 1. Ça va pas le faire si je suis avancé de 1. Voilà, donc là, voilà, voilà. Voilà. Donc là, c'est good. C'est de voir pour que au final on essaie d'avoir quelque chose un peu plus de, d'avoir un, quelque chose d'un temps soit peu harmonieux avec le temps. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, mais. Ok, oui, c'est à moitié sur cette route là, donc partirait ce bloc là, ce n'est pas grave. Moi, l'avantage c'est que je vais pouvoir retirer un peu tous ces, toutes ces fondations là qui ne servent à rien. Alors. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ça se trouve, à la fin, on va virer tous les virages parce que ça m'en vient plus qu'autre chose. C'est pas impossible, hein. Dans le doute, je préfère les garder. Là, on va essayer de garder le rythme de 2 par 2.
Ok. Alors là, maintenant, c'est le moment. Le truc qui va pas aimer. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Ok. Donc là, on va pouvoir essayer de mettre, donc, la station 18, la station 20. On les renommera tout ça un peu plus tard. Donc, lui, en théorie, il a plus trop de soucis. On va faire un test, hein, mais... À vrai dire, je n'en doute pas trop. Il ramène son pétrole. Il va le décharger là. Et normalement, ça va foncer là-dedans. Voilà. Ah oui, aussi on peut... Voilà. Voilà. Quitte à ce que le pétrole, on le mette plus à gauche. Et les ressources minérales plus à droite. C'est aussi tout à fait possible. Tout à fait possible, et même... Ça peut être, je pense, la bonne solution. Ok. Ça, c'est good. Ça, j'imagine que... Voilà, c'est rempli. Et lui, il repart. D'ailleurs, j'aurais dû le suivre. Bon, ce n'est pas grave. A triché un peu. Hop là. Ah quoi que. Alors, avant de faire quoi que ce soit avec. On va hop là, on va voir. Parce qu'il faut ramener le catérium. Alors, on va le faire de manière prévisionnelle. Pour dire que ça veut ça, ce qui veut dire que je vais pas me faire chier trop. Je m'explique. Le catérium, il est là. Globalement, toute cette ligne-là, on va la garder, hein, c'est pas un souci. Juste, faut que j'arrive à ramener le catérium qui est là. En plus, c'est bien, puisque c'est bien la ligne qui est tout au fond. Ok. On peut prendre pas mal de dégâts, moi, avec ces conneries. J'en ai pas beaucoup. Oh, j'aurais dû tout reprendre. Oh merde. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. De toute façon, je comptais le faire. Donc autant le faire sur le coup. Donc c'est épuré. Allez. Épuré. Hop là. Je crois que c'est plus lent à retirer qu'à remonter qu'à faire. Hein. Allez. Le jeu, il a du mal. Hein. On va ignorer tout ce qui est faune locale. Pour le moment. Voilà. Voilà. Très bien.
Ok. Bien. Alors. Déjà, ce qu'on peut faire. Histoire de se simplifier la tâche. Là, voilà. On va partir là-dessus. Maintenant. Il y a tout un bordel là-dedans. Ok. C'est pas grave, on pourra le broyer tout ce bordel. Quoique, on pourra le garder aussi. C'est très bien, si. Pour le moment, le convoyeur sera... de manière rustique. Mais au moins... voilà. Parfait. Ensuite, ce train-là. Qui est le train Caterium. On va l'activer. On va l'activer, comme ça au moins il va pouvoir commencer à réalimenter de l'autre côté. Le temps qu'on se ramène de l'autre côté. Donc, éditer le planning. Donc, il va de la station 18 à la station 20. Sauvegarder, activer. Tac, tac. Voilà. Et qu'il va faire, il va faire son petit demi-tour. J'aurais dû le garder. J'aurais dû rester dedans. Je regrette tellement. Voilà. Les deux vont fonctionner. Ça, c'est pas un souci maintenant. Voilà. Et on va devoir faire ça avec tous les trains. Et vous verrez, ça rendra un peu plus joli que ça. Voilà. Alors après ça, on essaiera peut-être d'en faire un truc un peu plus esthétique. Mais ça, c'est un... c'est un détail que tu vas faire. C'est des finitions qu'on fera quand on aura déjà ramené une bonne partie des ressources, histoire de tout faire en un seul épisode, de manière correcte. Voilà. Alors, ce que je voulais, des rails. Donc pour faire des rails, il n'y a pas 36 solutions, il me faut 70 millions de tôles en alu. Voilà, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Même si je pense que très clairement on n'aura pas besoin d'autant. Non, on sait jamais, donc autant le faire. Ensuite, on va flush tout ce réservoir histoire de pouvoir avoir l'intégralité des machines qui se remettent à marcher. Voilà, très bien. On va refaire un petit stock. Ligne de snow. Ensuite, nous allons repartir. Donc. D'ailleurs, ça, j'ai un peu de plaque. Attends. Le niveau, il est par là. Attends. On va faire ça. Fondation, architecture. On va faire ça propre. Voilà. Voilà, maintenant. Voilà. Parfait. Quoique, non, ça rend pas bien dans ce sens-là. On va faire ça dans l'autre sens. Je sais, c'est du caprice. Ça ne mènera strictement à rien. Mais je préfère ainsi. Parce que ça fait qu'on peut faire genre ça. Ensuite, on peut faire un petit truc comme ça. Et comme ça, voilà. Ça permet d'élargir un petit peu la sortie au niveau des trains. On verra, mais ça se trouve, ça va devoir dégager. Hein. Mais ça, c'est un autre détail. Ça, c'est un autre détail qu'on verra un peu plus tard. Alors. Bon, bah, tout ceci est bien, mais maintenant, faut retourner à la zone, non pas de forage, mais après. Ça sera très bien.
c'est aussi une des difficultés de la manière dont je veux le faire. C'est-à-dire que personnellement, je veux retransformer ce qu'on a déjà initialement produit. Donc c'est-à-dire qu'on va... c'est pour ça aussi que la série prend du temps, prend beaucoup beaucoup de temps. C'est parce que je ne vais pas garder ce qui ne sera pas dans le produit fini, entre guillemets. On dirait que je parle d'un genre d'un produit... D'un produit genre... genre commercial, non, du tout, mais... C'est-à-dire que... Ça ne m'intéresse pas du tout de garder des convoyeurs qui étaient là anciennement pour quelque chose. Non, on va épurer tout ça au fur et à mesure. C'est ce qu'on est déjà en train de faire. Donc là, vu qu'on a mis une grosse partie des blocs, on n'aura pas trop de problèmes en théorie. Alors, là par contre, moi je vais avoir un problème, je vais me faire gazer dans tous les sens. Attends, non, puisque c'est en plus c'est de ce côté-là que je dois passer. C'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que je dois aller par là. Il y a beaucoup, beaucoup de pylônes qui se promènent à droite à gauche. Probablement pour aller chercher le cuivre, celui-là, puisqu'il me semble qu'il y a du cuivre au-dessus. Alors, voyons voir. Voilà, et donc en plus, cette chaîne-là, ce sera le charbon plus tard. Et on pourra faire après le calcaire et le fer, ça ne posera aucun réel problème. C'est-à-dire qu'on va s'amputer de tous ces convoyeurs-là pour juste avoir un convoyeur qui vient de la ligne de train à ici. Alors certains me diront que je pourrais mettre la ligne de train au-dessus, mais au final, oui et non, parce qu'il va y avoir tellement de lignes de train que... Il y en aura toujours une à un moment qui sera au-dessus, mais les autres seront toujours à côté. Donc autant commencer au plus tôt, et bon, ce sera peut-être la plus chiante à poser avant au bout de temps, mais ça c'est un autre détail. Alors, vraiment, j'ai oublié mes poches, j'ai des sphères de mercé sur moi, ça ne fait aucun sens. Ah, bah c'est bien. Ah oui, bah oui, bah oui, évidemment. Je suis un connard. Voilà. Ça marchera beaucoup mieux comme ça d'un coup. Ça va quand même beaucoup mieux marcher. Alors, voilà. Bon. On n'a pas l'air d'être en panique. C'est pas plus mal aussi. Ça permet de voir s'ils fonctionnent bien ensemble. Alors, on va partir au plus simple. Pour le moment. Parce que ça se trouve, ici, il y aura tout un complexe à créer. Hein. Mais bon, on n'y est pas rendu. Hein. Faut pas déconner non plus. Si on fait ce complexe, va falloir attendre un peu. Qu'est-ce que je voulais? Je veux logistique, passage dans le sol. Voilà. Ensuite, convoyeur vertical. Voilà. MK5. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, ce qu'on peut faire quand même, pour simplifier la chose, c'est ça. Alors, après, on va peut-être voir si je peux pas le centrer au moins. Histoire d'avoir quelque chose d'à peu près régulier à chaque fois. Là, j'ai vraiment fait aucun effort, j'ai vraiment pris le premier truc, mais je peux genre le centrer là. Peut-être mieux. Voilà, voilà, voilà. Ensuite. Il faut que je fasse de la merde, hein, évidemment. Alors. Là, on va le faire un peu plus de manière bourrin. Une électrolimace là, il y a une grotte. Ça peut être intéressant de la visiter, mais bon. Faut bien se dire qu'à la fin, ce convoyeur là ne sera plus là non plus, d'ailleurs. C'est juste...
garder un peu. On va essayer de le garder un peu hors de la flotte quand même. Hein, ouais. J'ai un peu plus de... J'ai un peu de respect quand même. Entre les... Les mollusques, voilà. Non ? Tu es libre maintenant. Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? Ce n'est pas grave. Mais Bon, très bien. Donc ça, c'est un épisode de fait. Hein. On va juste vérifier que ça fonctionne bien. Donc pour ça, on va juste attendre que le train repasse. Prochain épisode, on fait la même chose pour le charbon. Et donc après, on va pouvoir faire... Et peut-être voir, peut-être même le calcaire à le faire. On verra. Maintenant qu'on a à peu près les dispositions qu'il nous faut, on devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà. Tac tac. Je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je vais me démerder après, mais bon, ça c'est un autre détail. Lui, il est où? Ah non, c'est encore un autre. Ok, donc il y a le premier train qui arrive. C'est le pétrole. Le deuxième est derrière. Un peu plus en retard. Après, c'est vrai que ça permet d'arriver directement au train. C'est pas plus mal hein, d'avoir des cercles, des boucles comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on aura donc toute cette longueur-là pour faire des trains. Et dans le pire des cas, on refait une ligne en avant et on remet toute une ligne de train. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Et donc là, alors, je veux juste voir par curiosité combien il en a collecté. En un temps de trajet en plus... Du temps de retard, bien sûr. Ah, il est rempli. Oh, bah putain. Oh, ça va fonctionner. Ça va bien fonctionner. A voir encore une fois, puisqu'il faudra penser un petit peu peut-être à faire fonctionner en amont. Oh merde. Oh saloperie. Menu du train. Activer le contrôle. Voilà. C'est bon le... Ok. Déchargement. Voilà. Et on le réactive. Voilà. Comme quoi, faut vérifier. Faut toujours vérifier un peu. Hein. Surtout quand ça vient de moi. C'est... Les idées sont bonnes, mais la mise en application est parfois un petit peu imparfaite. Donc là, après ça part direct. Et c'est nickel. Pas gentil. D'accord. Il a fait bip et... D'accord, Misakia, d'accord. Donc il s'est re-reset sur cet endroit-là. Voilà. C'est bon, il est parti. Ok, on va, pour finir, juste retirer tout ce sol. Voilà, c'est cool. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt donc pour la suite. Maintenant que notre train fonctionne, notre train de Caterion, normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis à rajouter de nouvelles lignes. Sur ce, je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zoom.